Gavotte de la veine, la partie B. Je vous fais une fois la mélodie complète, et après on verra qu'on peut simplifier un petit peu des bouts pour se simplifier. Se passer avec la main gauche, parce que donc, quand on a du Do, pour la plupart d'entre vous, ça va être poussé. Ensuite Sol. Sol, Mi, Do, pas de sujet. Mi, Do, La avec un Fa en basse. Là, on va rester en tiré pour le Sol. Ensuite Mi poussé. Fa, toujours en poussée, Ré tiré, Mi poussé. Ok. Donc les mesures qui nous embêtaient, c'est celles de Do et de Mi. Parce qu'on a un Mi, Fa, Mi, Ré, Mi. Donc on a un petit poussé tiré sur le Fa. Et en plus, on a un La, Sol. Donc cela, comme on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez peut-être en poussé ici. Vous l'avez peut-être en poussé sur la troisième rangée. Peut-être qu'il n'y a pas de la poussée sur l'accordéon. Donc, s'il n'y a pas de la poussée, c'est pas grave. Juste l'accord qu'il faudra jouer à ce moment-là, c'est soit rien du tout, soit un La. Illustration. L'accord de La à la place du Do ou du Mi mineur va passer dans la fluidité du morceau. Et la deuxième chose qui nous embête, donc, c'est le Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, qui va, si jamais on veut faire des belles tenues à la main gauche, ça va les rompre. Donc on peut tout simplement ne pas jouer le Fa, ça marche. On peut faire toute cette partie tranquillement. 1, 2, 3 et